Salutations tout le monde, on est actuellement sur les rives du lac Manitou, très beau lac de la région des Laurentides, un lac de villégiature comme il y en a plusieurs dizaines dans les différentes régions du Québec, un lac où assez souvent il y a beaucoup de plaisanciers, mais au niveau de la pêche, souvent pas tant de pêcheurs. Puis on retrouve dans ces lacs-là souvent une belle qualité de pêche. Là. Ici on parle de truites grises, d'achigans. Mais ce qui est assez particulier, c'est que pour mettre notre bateau à l'eau ici aujourd'hui, ça coûtait 250 $. Évidemment, c'est un tarif complètement abusif. Puis c'est pas une situation unique. Puis je pense qu'il y a même des situations pires que ça. Oui, oui, il y a des dans les Laurentides, on parle du lac Léchigan à Saint-Hippolyte, c'est 400 $ par jour. À Saint-Adolphe-d'Howard, c'est 325 $ par jour. Si on peut avoir accès, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui interdisent carrément l'accès aux plaisanciers, aux pêcheurs. OK. Bon, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Là. C'est une situation qui est complètement inacceptable. Mais bon, là, on veut avoir du plaisir, on veut aller à la pêche, on veut attraper des poissons. Fait que c'est ça qu'on va faire. Oui. On y va. Je pogne 45-50 pieds de creux. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça. 40 pieds. Moi, le bel écho. Ça fait partie de la pêche. Ça fait partie de la pêche, mon ami. Ouais. Dans le fond... Elle est cassée en trois. Tabarouette, hein? Attire-tu fort? Pas pire. Elle donne des bons coups de tête. Ça, c'était une canne. Ça ramène pas bien, bien, là, par exemple. C'est pas facile, là. Excellent. L'eau est claire, hein? C'est un beau poisson qu'on a là. Ah oui, Stéphane. Shit, ça enlève, ça ramène plus. Elle va pas bien, quoi? Ouais, trois bouts de canne, là. Voilà. Et voilà! Oh! Hey, check-moi ça, toi. C'est un beau poisson, ça. Oui, c'est une belle grise. Écoute, ça, quand une affaire de même arrive, là, c'est parce que la canne à pêche a été cognée quelque part. Ah oui. Puis là, ça crée un petit point de faiblesse. Puis là, t'arrives, tu fais, écoute, je n'ai pris des poissons que cette canne-là. Là. Ben, félicitations, Stéphane! Ben oui. Good. On fait ça de même. Ouais. Là, pour expliquer aux gens, là, on est sur le lac Manitou. On est tout seul sur le lac. Il n'y a pas d'embarcation. On a repéré des grises au sonar. On a descendu deux fois nos leurres. On a été attaqués les deux fois. Oui. Toi, t'as à peu près quoi? Combien? Une minute de pêche, de fait? Bon, à peu près. T'as déjà une grise. J'ai jigué à peu près une minute, à peu près à la hauteur là, qu'on voyait les poissons. Pis... Wow! Bang! Wow! Excellent! Fait qu'on va le... Ici, tu me disais, Stéphane, que la remise à l'eau est obligatoire. Oui, ici, on peut pas garder aucun poisson, aucune truite grise. OK. Fait que ça, c'est... On a le droit de la pêcher, c'est vraiment comme ça que c'est présenté, mais la remise à l'eau est obligatoire. Est obligatoire, c'est ça. Honnêtement, ça, c'est la première fois que je vois ça, parce qu'en général, on va soit interdire la pêche, si le lac est vraiment en difficulté, ou s'il y a une limite de taille, bien évidemment, il faut la respecter. Oui. Fait que là, ici... Je sais pas comment c'est possible. Je trouve ça bizarre un peu que ça soit comme un des seuls lacs au Québec où est-ce que c'est remise à l'eau obligatoire pour le Touladi. C'est quand même curieux, là. Oh.
Tiens, on va la mettre à l'eau rapidement pour pas oui, qu'elle meure. Voilà, remise à l'eau de cette truite grise-là, ouais, qui a fait le bonheur des pêcheurs poisson, hein? En quelques secondes. Oui, puis qui a cassé ma canne à pêche. Et ah, voilà. Elle est partie en bonne une santé. Une truite grise qui repart en pleine forme. Ce qui est plaisant avec la grise, c'est que c'est un poisson qui a la capacité de s'adapter facilement au changement de pression. Ah, tu sais, okay. On a la capture creux, oui. On la remonte, puis on la remet à l'eau, par descend en bas. Fait que c'est beaucoup de variations de pression. Oui. Un poisson, par exemple, comme le doré ou la chigan, va avoir de la difficulté à s'ajuster. Oui. La grise, tu remets ça à l'eau, c'est reparti. Super. La vie est belle. Ben, félicitations, Stéphane! Je te remercie pas pour la canne, mais ça, c'est une autre affaire. On voit bien le poisson. Ah non, c'est Stéphane. On voit Stéphane jiguer avec son poisson. OK. C'est hot pareil. Il y a comme deux autres poissons en arrière. Là. Ah ça oui, bien, je m'en viens t'aider. Fait qu'il a l'air un peu par là. Poisson! Hey, hey! Elle a l'air forte quand même! C'est pas long hein, pour avoir l'attaque. Presque chaque poisson qu'on voit au sonore nous attaque. Ouais. Moi, je pense pas un lac qui a beaucoup de pression de pêche. Là. Non, c'est. Je pense pas qu'il y ait bien, bien du monde qui vient la pêche ici. OK, la voilà. Fait que là, ce que je vais faire, c'est m'assurer de me laver les mains, de me mouiller les mains. Comme j'ai fait tout à l'heure aussi. Elle est plus petite un peu. Mais c'est agréable, hein? Oui. Tu sais, on va déposer par terre. Ouais, c'est ça. Calme-toi. Ça, on va te prendre une grise, là. Oui. Ça, c'est. Tiens. OK. On la met à l'eau, la net, ou tu veux la montrer? On va la montrer vite fait aux gens, puis on la remet à l'eau rapidement. Petite grise du lac Manitou dans les Laurentides. Un lac de villégiature qu'il faut payer 250 $ pour avoir accès si on n'est pas riverain. C'est tout à fait ça. Puis des lacs comme ça, on en a des dizaines au Québec, voire des centaines à Lanaudière, Laurentides, l'Estrie, Québec. Puis On s'entend-tu, Daniel, que les pourvoyeurs, là, ça leur prend des permis pour pouvoir charger aux gens, pour accéder à leur territoire, à leur lac? Oui. Les villes, là, c'est pas des pourvoyeurs. Les municipalités, c'est pas des pourvoyeurs. Je vois pas pourquoi ils nous chargent des prix de malade comme ça, là. Mais en fait, la question est pertinente, mais on comprend pourquoi. Parce que ce qui se passe au Québec depuis quelques décennies, c'est qu'on vit une privatisation de nos plans d'eau publics. Tout à fait. Hein? Là, t'as deux situations, t'as trois situations. Hein? T'as ceux qui interdisent carrément l'accès aux non-résidents. Oui. Qui est évidemment pas acceptable. Les plans d'eau publics, ça le dit, c'est public, ça appartient à tous les citoyens. Oui. Ça, c'est un cas de figure. T'as des cas de figure comme ici, où c'est une interdiction déguisée. Tu sais, quand tu parles entre 250 et 400-500 $ pour une mise à l'eau. Puis là, c'est de 9 h à 16 h, oui. Hors des bonnes heures de pêche. Oui. Puis en ce moment, là, on est au mois d'août dans une période de vacances. On est tout seul sur le lac. Là. Oui. Il n'y a pas de surachalandage ici. Puis tu as le dernier cas de figure, les rares lacs publics où on a encore accès. Puis là, ce qui se produit actuellement, c'est que ces lacs-là sont surachalandés. Là, oui. Parce que tout le monde est forcé d'aller là. C'est les seuls qui nous restent. Oui. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Bien, ils vont se faire fermer aussi. Parce que maintenant, il y a trop de monde. Tu sais, je comprends un souci d'un résident sur un lac comme ici qui ne voudrait pas voir 400 bateaux se promener. Hein, je le comprends. Je comprends très mais bien. Ce qu'il faut voir, c'est bien, bien, bien important ce bout-là, c'est que si on gagne l'accès à tous les plans d'eau publics, les gens vont être répartis. Il n'y aura pas de surachalandage de certains plans d'eau. Oui. Mais on s'entend, Daniel, qu'ici, au lac Manitou, même si on laissait des gens de l'extérieur accéder au lac à un coût abordable, il ne peut pas y avoir surachalandage venant de l'extérieur du lac. Il y a combien d'espaces de stationnement? 2, 3?
J'allais dire 4, moi. 4? Moi, c'est ça. Le nombre, là, c'est dans les doigts de ma main. Fait qu'on a vu tantôt, là, il y avait des endroits comme ici, là, il y a une petite bottasse, là, il y a 4 embarcations motorisées, là, pas des petites embarcations, là. Si chaque résident ici a 2 ou 3 embarcations, c'est-tu 3 ou 4 embarcations de plus qui fait une grosse différence? Absolument pas. En réalité, si quelqu'un prétend que, bon, les embarcations font de l'érosion sur les berges, dans la situation qui nous intéresse ici, puis qui est un cas de figure de dizaines, voire centaines de lacs au Québec, les vagues, là, ils viennent à 98 % des résidents, là. Oui. Hein? Parce qu'on est juste... Ouais, quelques-uns qui peuvent se mettre à l'eau. T'es généreux, je dirais 99, moi. Bon, vas-y. Fait que, tu sais, des fois, là, ça devient des prétextes, oui, tu sais, pour privatiser un lac, puis pas laisser les autres profiter de cette belle nature-là. Oui. C'est notre or bleu au Québec, l'eau. C'est ça. C'est puis ça tous que... les gens devraient avoir accès à l'eau à coût raisonnable. Demander la gratuité partout, je le sais pas. Il y a des infrastructures, ouais, qui demandent de l'entretien, etc., etc. Ouais. Gratuité partout, tant mieux si un jour ça fait ça. Mais pour l'instant, si on pouvait juste regagner l'accès à coût raisonnable, pour moi, raisonnable, c'est en bas de 20 $ là. Mon Dieu, que ça serait bien. Puis au Québec, là, on est à peu près les seuls avec cette problématique-là. Tu me corrigeras si je me trompe, Stéphane, je sais que tu connais le dossier parfaitement. Ontario, rampe de mise d'accès gratuite, dans la majorité des cas, un peu partout. Oui. Même chose au Nouveau-Brunswick. Si c'est pas gratuit en Ontario, c'est 10 $ C'est ça. Ouais. Bon. Même chose au Nouveau-Brunswick. Oui. Même chose dans les États du Nord des États-Unis. Oui. Bref, il y a juste nous autres au Québec qu'on vit ça. Puis ça fait des années qu'on se bat pour ça, Stéphane, puis là, je pense que c'est assez. Bon, il faut que, le gouvernement fasse de quoi, là, rapidement, pour redonner l'accès aux gens, parce que ça n'a plus d'allure, là. Faut faire beaucoup de kilomètres. Puis c'est pas bon pour l'environnement, faire des kilomètres avec notre véhicule, puis trouver un accès à l'eau. Puis tu sais, il faut bien comprendre, Stéphane, que si on redonne l'accès à l'eau aux Québécois comme ça, c'est pas quelque chose qui va nécessairement ou forcément nuire au pourvoyeur ou à la CEPAC. Parce que chez un pourvoyeur ou à la CEPAC, tu vas chercher d'autres services que tu n'auras pas en territoire libre. Tu vas chercher de l'hébergement, tu vas chercher de la location d'embarcation, plein d'informations sur le lac que tu vas pêcher, tout ça. Un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Si ça aide à regagner l'accès à nos plans d'eau, parce que moi, j'en connais plusieurs pêcheurs qui ont vendu le bateau puis ils font plus de pêche parce que c'est rendu trop compliqué, trop onéreux. Ces gens-là vont revenir à leur sport. Puis ils sont susceptibles d'aller faire des séjours dans une zec, en pourvoirie, dans une réserve faunique. C'est juste bon pour l'industrie de la pêche, pour l'industrie de tout ce qui entoure la pêche, en fin de compte, qu'on regagne l'accès à nos plans d'eau publics. Oui. Bon, on pêche un peu, on parle beaucoup, mais on pêche un peu. On va essayer d'en attraper une troisième, là. C'est, ça n'a pas été trop long. Non, ça va quand même bien, là. Oh! Ouais, c'est une belle zone. C'est agréable, hein? Ah oui. Tantôt, je te voyais regarder les paysages, là. On est chanceux d'avoir... Ah, c'est vraiment un beau lac. Ouais, ouais, ouais. Dans les montagnes, dans les... Exact, c'est magnifique, là. Oh, elle vient de lâcher! Elle s'est décrochée! Ah! Bon. Ça me mettait une belle, celle-là. Regarde les bulles remontées, elle avait lâché des bulles pour... Okay. Elle arrive dans les meilleures familles, mon Steph! Ben oui! Il y en a d'autres, à date, là, pour expliquer aux gens, là. On voit qu'il y a beaucoup de pression de pêche ici. C'est la première fois que je viens de ma vie ici, puis je m'avance à dire ça. Parce que là, on se promène, puis... on n'a pas eu à se promener beaucoup, là. On voit plusieurs truites grises. Puis je dirais que 8 à 9 fois sur 10, on les travaille un peu et nous attaquent. Oui. Fait que ça veut dire que, tu sais, on peut pas prétendre de dire on ferme l'accès à ce lac-là ou on le restreint de façon abusive parce qu'il y a trop de pression de pêche, là. Non. Certainement pas. Il n'y a pas du tout de pression de pêche ici. On parle-tu un petit peu de l'horaire de l'accès à l'eau ici? Oui. Ça, hein, on a... Les pêcheurs, on le sait, c'est un petit peu meilleur la pêche tôt le matin, à Brunante. C'est là que le poisson est en activité. C'est une période d'alimentation normale. Oui. Là, ici, en plus de nous faire payer 250 $, pas de quai. À ce prix-là, je pensais pas avoir besoin de me mouiller les pieds pour embarquer dans le bateau. Mais bon, pas de quai. C'est de 9 h à 16 h. Oui, à 16 h, 9 h, c'est l'ouverture du garage pour laver le bateau. Après ça, il faut aller remplir un formulaire.
finalement, on a réussi à mettre à l'eau, quoi, 9h30, 10h moins quart. C'est ça. Tu sais? Fait que, mettons que là, on te dit qu'il faut sortir vers 16h, 16h15, là, tu sais, pour être là à temps. Ça veut dire, faisons un calcul rapide, c'est 6 heures de pêche seulement. 6 heures de c'est pêche. C'est une demi-journée dans la période la moins bonne. C'est ça. Honnêtement, Stéphane, c'est pas loin. On n'est pas loin de faire rire de nous. Oui. Vraiment. Vraiment, oui. Bon, poursuivons, parce qu'on a quand même payé 250 $ voilà, pour pêcher ici. On va optimiser notre temps de pêche. Oui, c'est ça. Ah, un bateau de pêche là-bas. T'es ça au bout de la ligne, mon Steph? Oh! Bon, okay. J'espère qu'elle va pas se décrocher, là. Combative, en tout cas? Ah, oui. Yeah. Wow! Il fait beau, c'est agréable. Oh, arrête ça de parler, Dan. Tu vas t'en ton affaire. Oh, c'est un beau poisson. Et voilà! Une autre grise! Tiens-moi le manche un instant, je vais mouiller les mains. C'est défaite. C'est défaite dans la puise? C'est, ouais. C'est fréquent à la jig, ça. On va prendre une photo avec moi. Notre troisième déjà. C'est bon? On est parti comme une fusée. Stéphane, là, il fait un temps splendide. Oui. On a de l'action. Le poisson est en activité. On a des attaques, on fait des captures. Sais-tu pour qui j'ai une pensée? Non. Mon petit bonhomme de 14 ans, qui aime beaucoup la pêche. Aujourd'hui, il ne pouvait pas être avec nous parce que c'était sa rentrée scolaire, il fallait qu'il aille chercher son horaire et tout ça. Mais ce que je trouve triste de cette situation-là qu'on vit au Québec, où on perd l'accès à nos plans d'eau publics, c'est que, tu sais, tout le monde est à peu près unanime là-dessus pour dire c'est correct que nos jeunes jouent à des jeux vidéo, mais il faut qu'il y ait un équilibre et qu'ils fassent d'autres activités, idéalement en plein air. La pêche, c'est une activité saine. Ils devraient pouvoir pratiquer ça facilement. Je te donne un exemple, puis il y a peut-être un pêcheur qui nous écoute, qui va se reconnaître. J'ai eu un message par Facebook au printemps. Un monsieur qui me dit « Daniel, je viens de déménager en Mauricie. Je cherche un endroit pour mettre ma chaloupe de 15 pieds à l'eau. » Il y avait un moteur 20 ou 25 forces là-dessus. « Pour amener mes enfants à la pêche. Ouais. » Il dit « Peux-tu me donner un nom de lac ?» Où il y a un coût, à coût raisonnable, je peux amener mes enfants à pêche avec mon embarcation. Savez-vous quoi? Il n'y en a pas. Regardez une carte de la Mauricie. Il y a des dizaines de lacs de toutes les tailles. On pourrait prendre l'exemple du lac Mekinac, qui est un grand plan d'eau, 50 $ la mise à l'eau. Oui. Puis c'est un des rares qu'on a accès. Il y en a plein d'autres autour, là. Pas d'accès pour les non-résidents. Même si tu voulais payer n'importe quel prix, pas d'accès. Fait que j'ai été obligé de répondre à ce monsieur-là, désolé, vous ne pourrez pas amener vos enfants à la pêche sur un des nombreux plans d'eau qu'on a en Mauricie. Oui. Il reste seulement la rivière Saint-Maurice et le fleuve. Puis le monsieur, il souhaitait être dans un environnement un peu plus tranquille, en lac, là, pas avoir à pêcher dans le courant, tout ça. Oui. Fait que pour moi, c'est complètement inacceptable, un enfant de même. Oui. C'est dégueulasse. C'est horrible. Puis, il faut que ça change. J'aimerais souligner aussi que Trois-Rivières, c'est une des seules villes au Québec où l'accès à l'eau est encore gratuit. OK. Bien, félicitations aux gens de Trois-Rivières, aux autorités municipales à Trois-Rivières qui sont responsables de ça. Puis c'est sûr que les commerçants doivent s'en réjouir aussi parce qu'il y a des impacts économiques à voir arriver des pêcheurs dans une région pour pratiquer notre sport. Ça peut être aussi simple que juste l'essence dans le bateau ou passer à l'épicerie ou au dépanneur chercher un peu de nourriture. Mais parfois, on reste là 2-3 jours, on va aller coucher dans les auberges, un beau week-end avec son conjoint ou sa conjointe ou la famille au complet. Entre amis, il y a plein de possibilités. On va se déplacer pour pratiquer notre sport. Ouais. Fait qu'en plus... en réalité, ce qu'on demande au gouvernement provincial, parce que c'est vraiment lui qui doit légiférer. On a tous compris là, depuis 15 ans qu'on évolue dans ce dossier-là, que la solution ne viendra pas des municipalités. Pourquoi c'est comme ça? C'est très, très simple à comprendre. Il y a peut-être là, un cas typique d'un petit village où il y a une épicerie, une auberge, un dépanneur, une station-service. On parle de 4-5 commerces maximum. Puis autour du lac, mettons, il y a 200 résidents. Hein, c'est des petites municipalités. Oui. Aux prochaines élections municipales, si le maire doit faire plaisir à 200 résidents,
qui ne veulent pas voir personne dans ce qu'ils disent être leur lac. Ouais. Ou 4-5 commerçants qui souhaiteraient voir leurs affaires rouler puis avoir des visiteurs. Le choix est très facile. Très facile. Les municipalités, pardon, vont toujours privilégier les résidents qui cherchent à s'accaparer les lacs publics parce que c'est des votes aux prochaines élections municipales. Tout à fait. Fait que la solution doit venir d'une réglementation provinciale qui empêche les municipalités d'interdire ou de privatiser ou de charger des coûts exorbitants pour l'accès à des plans d'eau comme ça, où on souhaite, tu sais, on s'en vient pas ici là pour faire du grabuge et tout ça, les pêcheurs... Puis tu sais, c'est vrai pour tous les utilisateurs de l'eau, là, mais là, nous, on est des pêcheurs. Ouais. On n'est pas une clientèle dérangeante, ben. Pas trop, trop. Tu sais, on se promène avec le moteur électrique en ce moment, il y a zéro bruit, zéro pollution, puis on pêche. Mm. Enfin, dans le fond, je pense que vous avez un peu compris, aujourd'hui, on fait une belle pêche sur un lac de villégiature, comme il y en a plein, plein, plein au Québec. Des lacs qu'on voudrait ravoir, nous, comme citoyens du Québec. Ouais. Puis, ma foi, on... Bien, c'est agréable. C'est ce qu'on vit là. On passe une belle journée, mais malheureusement, les familles ne peuvent pas se permettre de payer 250 pour mettre leur petite chaleur par l'eau. Ben non, ça ne fait aucun sens. Puis, ça, ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a des gens qui vivent à proximité, qui profitaient du plan d'eau à chaque fin de semaine, puis maintenant, ils ne peuvent plus, ils n'ont plus les moyens. C'est triste, moi je trouve ça triste, puis il faudrait que tout le monde ait accès au plan d'eau au Québec. Absolument, absolument. Bon, Stéphane, sais-tu quoi? J'ai pesé sur le bouton encre de mon moteur électrique parce que regarde dans le sonore. Allons-y! Allons-y, hein, oui. J'ai pas eu le temps de mettre ma canne à l'eau, il y a déjà un poisson. Oups. Ça a été instantané. J'ai vu le poisson dans le sonore. J'ai même pas eu le temps d'arrêter le moteur hors bord. Stéphane n'a pas eu le temps de mettre sa ligne à l'eau. Boum! Calme-moi. Hey, t'as une belle salle, non? Ouais. Tellement de pêcheurs, Stéphane, qui aimeraient ça vivre ça actuellement. Pis... Ben oui. On en a parlé, hein? On sait que malheureusement, on n'a plus accès à ça alors que c'est un droit qu'on a. Un droit de pêcher puis un droit d'avoir accès au plan d'eau public. Évidemment, là, les gens, quand ils voient une truite qu'on prend de cette façon-là, je la tiens pas par les branchies, évidemment. Là. Je la tiens par l'opercule. Ça blesse pas le poisson. On va rapidement la remettre à l'eau. Maintenant, les pêcheurs sont beaucoup conscientisés puis ils ont à cœur qu'on vide pas les lacs, là, de préserver la ressource. Ouais. Fait que je pense pas que ce qu'on fait aujourd'hui est dommageable pour personne. Non, pas du tout. Ouais. Et voilà. Oh, ils t'ont volé ton leur soupe! Ça se peut pas. C'est combative. Ça revient, je la vois. C'est un beau poisson. Sais-tu quoi, Stéphane? Je repense à la belle de tantôt. On a perdu la plus belle. Mais ça reste agréable. Et voilà. Ouais, c'est pas plus grosse, celle-là. Ouais. Là, on n'est pas dans une émission de l'heure juste en tant que telle, mais on a l'habitude dans l'émission de toujours dire c'est quoi nos techniques, c'est quoi nos leurres, comment on pêche. Pour résumer ça rapidement, en ce moment, ce qu'on fait, on se déplace doucement avec le sonore. Puis dès qu'on voit un écho entre 40 et 60 pieds de profondeur, on s'arrête avec le moteur électrique puis on descend simplement la jig à sa hauteur. Puis c'est du... Moi, je dirais 8 fois sur 10, on a une attaque. Oui, oui. Pas toujours facile à piquer, c'est... ça fait partie de la pêche fond, à la jig. Dans le fond, c'est... on pêche pas à l'aveugle. C'est vraiment de la chasse qu'on fait. Oui, exactement ça. Ouais. Fait que là, on va remettre ce poisson-là à l'eau, évidemment. Là, Stéphane, on a 5 grises de prix. Qu'est-ce que tu dirais si on allait à l'Achigan? Oui, on va aller essayer l'Achigan. Parce que... Donc, on veut démontrer le côté récréatif, le côté... pour les pêcheurs, pour ce lac-là. Ouais. On veut vous montrer que ce lac-là, c'est un lac que plusieurs pêcheurs adoreraient venir pêcher, mais qui ne peuvent pas parce que ça coûte trop cher. Exact. Puis tu sais, c'est assez typique de Laurentides, la Nadière, l'Estrie, l'Outaouais, d'avoir l'Achigan dans le lac. C'est un poisson qui peut amuser les pêcheurs de tous les âges. C'est un poisson combatif, agréable à capturer. Ouais. Fait qu'on va aller s'amuser à l'Achigan. Je remets ça à l'eau. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait là, de rendre l'accès public, rendre accès au public à tous les lacs qui appartiennent aux Québécois,
Il y a une chose aussi qu'il faut mettre en perspective. Il y a peut-être des gens qui ont des craintes que sur des petits, petits plans d'eau, que ce soit trop de pêcheurs, trop de monde, trop d'utilisateurs de l'eau. Mais c'est le genre de chose qui est quand même relativement facile à régler. Ouais. C'est sûr que personne chez les pêcheurs ou chez les autres utilisateurs de l'eau souhaite voir des petits lacs se faire envahir avec tous les inconvénients que ça peut amener. Mais à ce moment-là, on peut, avec, par exemple, une rampe de mise à l'eau gratuite ou à prix très, très raisonnable, avoir un stationnement de, par exemple, 5 places, 10 places, 15 ouais. places, selon la taille du plan d'eau. Fait qu'à ce moment-là, il n'y aura pas d'envahissement, puis que ce serait donc terrible. Ça va juste être le gros bon sens qui ouais. va s'appliquer pour que les Québécois puissent aller pêcher leur lac. Oui, tout à fait. Bon! C'est le temps de la chigan! On va changer de l'heure, on va changer, on va pêcher moins creux, puis on va aller essayer d'attraper ce combatif poisson. Sauve l'air de l'eau! Après combien? 10 minutes de pêche? Ouais, 10 minutes de pêche. Du moment qu'on a décidé de cibler le chigan. Ouais, le premier spécimen. Avec le classique montage wacky! Puis ça, typiquement, là, il y a de la chigan tout le tour du lac, dans les lacs de villégiature. C'est du plaisir et encore du plaisir. Je l'amène. C'est combatif! Oui, oh, monsieur! T'as une belle palette en plus! Oh. Pas si mal, pas si mal. Pas si mal, ouais. Après, mon œil de perdrix, on va en prendre des plus grosses, mais... Ouais, je sais que toi, t'as d'habitude d'en prendre des plus grosses que ça. Moi qui est un novice dans la pêche à la chigan. Donc, premier à chigan. C'est très combatif comme poisson. Oui, c'est vraiment agréable à capturer. Là. Puis, c'est une technique à la portée de tous les pêcheurs, incluant les enfants. Là. Lancer un montage wacky comme ça. Là. Vous pouvez aller voir, jeter un petit coup d'œil. On a fait des vidéos déjà sur notre chaîne YouTube, l'heure juste, où on explique comment pêcher la chigan wacky. C'est simple et tellement efficace. Il est reparti. Oui, saut en dehors de l'eau. Nice. C'est le fun, les achigans. Ouais, le problème, c'est que j'en ai un aussi. Il vient de lâcher. Je vais aller t'aider, Steph. Bouge pas. Je vais envoyer ça là. Check ça. C'est pas gros, là. Par regarde le combat qu'il me donne. Oh, je pense qu'elle est même un petit peu plus belle que la mienne. Bon. Oui, non? Non, peut-être pas. Ah. Oh, j'ai pas une chute de la babine. Fais ça. Ah. Comme ça qu'on aime ça. Fais mon walkie. Wow! Je pense qu'il y a pas mal de poissons. Hein? C'est un lac de villégiature typique. Beaucoup de chigan. Allez, on retourne dans l'eau. Ah, comme l'eau. Taille moyenne. Mais c'est combatif. C'est combatif, ces poissons-là. Tellement agréable. Moi, le remonter ici, Stéphane. Continue, okay. continue de pêcher. Alors, continue de pêcher. Je... Okay, oh, OK, c'est beau. Bon, on va organiser avec ça, ce poisson-là. Pas le plus gros du lac, fait que... Hein? Fait que là, on explore, hein? Évidemment, c'est un lac qu'on connaît pas. On va essayer de trouver un secteur où on va peut-être pouvoir déjouer des plus gros spécimens, mais ça reste agréable à capturer. Ça à l'eau. Bye! Va grossir. Puis reviens faire le bonheur de d'autres pêcheurs. Oh! Oh, oh, oh! Là, peut-être qu'on est dans le plus costaud, là. On va venir avec la pluie. T'as fait ça où? Oh, oh! Oui, Steph! La plus belle à date. Oh! Bouge pas. Moi, je vais faire de quoi.
La puise. Hey, quel combat. Où est la puise? Hey. Oh boy, check, la, check ça. Oh! Et voilà! Très bon, mon Steph! Good job! Hey. Hey, ça, c'est de la palette, hein? Hey! Excellent, ça! Avec ça. Le gars, il est content, hein? On grossit, mon Steph! On grossit! Oh oui, c'est une belle petite bouche! Yes, Steph! Mmh, on finit ça en beauté. Oui, monsieur. Bon, mais Stéphane, on arrivait à la rampe de mise à l'eau. Ben oui, il est 4h15. Il faut sortir pour 4h30. Ben oui. Hein, on sort quand le meilleur temps n'est pas encore arrivé. Ouais. Excellent, Steph! Ouais. On a pogné une puis un autre hein, aujourd'hui, des achigans. Des, oh, oui. Des toutes grises. Des... Moi, on devrait être très content d'une belle journée de pêche, mais moi, je reste un peu triste de la situation dans laquelle on est. Ouais. C'est que comme 90% des pêcheurs peuvent pas vivre une journée comme on a vécu aujourd'hui. Non. Un très bel environnement, la truite grise, ça mordait bien, de la chien un peu partout sur le lac. Bien, dans le fond, on est venu ici aujourd'hui, Daniel, t'as accepté ma demande de faire une émission hors série. C'était en partie pour montrer aux gens qu'est-ce que les gens perdent comme loisir. Parce que, comme tu dis, 250 par jour ou 325 à d'autres places, 400, les gens peuvent pas aller sur des beaux lacs. C'est vraiment des beaux paysages aujourd'hui. Là, on a passé une très belle journée. Mais hein, c'est pas mal extraordinaire. Ouais. Fait que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que je pense qu'il est vraiment temps que cette problématique-là soit réglée. Les plans d'eau publics. Oui. Qui appartiennent aux Québécois doivent être à nouveau accessibles à tous les Québécois à coût raisonnable. Alors, les autorités compétentes, je pense particulièrement au gouvernement provincial, oui. S'il vous plaît, cessez cette privatisation-là puis ces interdictions-là de nos plans d'eau publics. Oui, et aussi, dans le schéma d'urbanisme, prévoir des accès aux plans d'eau. Ouais, ouais, parce que c'est un gros, gros problème. Il n'y a plus d'accès nulle part. Ils construisent des condos. Des tours à condos un peu partout sur le bord de l'eau. Puis c'est rendu vraiment problématique à nous attendre, madame. Bon, bien, malheureusement, on doit sortir. Oui, on s'est fait appeler par la madame, là, 4h30, ça ferme. Fait que c'est sûr que c'est certain qu'ici, là, on est quand même restreint. On a payé 250. On est commencé à pêcher à 10h moins quart. Puis là, il est 4h20, puis il faut qu'on se dépêche de sortir parce qu'à 4h30, elle s'en va, puis elle boit la clôture. Si, comme nous, vous trouvez que ça n'a pas de bon sens, cette situation-là, on peut appuyer la PSQ, suivre la PSQ. Soyez à l'affût, il va y avoir potentiellement des manifestations. Il faut faire notre bout de chemin là-dedans, chacun d'entre vous, pour qu'on arrive à régler cette problématique-là. On peut parler à nos députés. Il faut que ça change, il faut que ça oui, bouge. Oui. Bien, sur ça, salutations tout le monde. Salutations tout le monde.